Nous prions. Tobondila. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana, pe Molimo Mosantu. Père, à cet instant, nous te disons grand merci. Neleko oyo Tata, tolobi na yo melesi monene. Pour l'occasion que tu nous as encore permis d'être en ta maison. Pona libako pesi biso lisusu ya kozala na kati ya ndako na yo. Père, pour te glorifier et aussi te sanctifier. Ezali pona Tata kokumisa yo pe kosantisa yo. Tu es un Dieu tout-puissant qui dépasse tout autre. Yozali Nzambe oleki nguya nyonso po leki nyonso. Même les hauteurs des montagnes ne te dépassent pas, Père. Atako molai ya bangomba yo leki yango. Tu es au-dessus de toute notre vie. Yozali likolo ya bomo inabiso nyonso. Et tu nous as appelés, Père, pour une bonne cause. Pe yo tata obenga biso pona likambo ya malamu. C'est ainsi, Père, nous demandons que tu nous accompagnes. Yango wana tata tozali kosenga te yeba kotambola na biso. Par ton Esprit Saint. Onzela molimo na mo santu. Pour nous conduire jusqu'au jour du Seigneur. C'est pour cela que tu nous as appelés, Père. À cet instant, nous prions pour ceux qui souffrent. Pour les affliger, les accabler, Père, nous prions pour eux. Une famille ou une autre a perdu les leurs. Libota mokoto mosusu babungisi po ya bango. Père, nous partageons aussi la douleur avec eux. Tata tozali pe kokabola pasi wana na bango. Sans oublier ceux qui sont aussi, Père, à cet instant à l'hôpital en train de souffrir. Tata tobosani pete bayo bazali na ndako minganga neleko bazali komona pasi. Nous espérons que, Père, la main des soignants touchera la maladie et aussi il y aura une solution. Tata tozali kolikete loboko ya minganga kosimba maladi pe lisalisi ekomonana. Mais toi qui soignes plus que cette maladie-là, même la maladie de l'esprit. Kasi yo api osalisaka koleka bokono wana atako bokono ya molimo. Père, nous avons besoin de toi à cet instant. Tata tozali na posa na yo na eliko oyo. Que tes anges nous entourent. Tika ete banjelu na yo bazinga biso. Et que nous soyons des instruments saints dans tes mains saintes pour accomplir l'œuvre sainte. Po ete toyeba kozala biloko ya mosala esantu na maboko na esantu mpona kokokisa mosala na esantu. L'œuvre que tu as débuté dans nous. Mosala wapi obandaki kati na biso. Ceux qui sont aussi pères dans l'au-delà peuvent approcher l'autel de grâce. Tata ba epe bazal na mboka ngambo tikete ba ba kopusana na mesa ya bunzinga. Ensemble, comme une seule famille, comme une seule bouche, nous pouvons alors te glorifier. Lisanga lokola libota moko pe monoko moko tokoki ko sanzola yo. Ainsi nous prions, Père, pour ceux qui sont coincés quelque part. Ndebo et tata tozali ko bondela pona ba yo ba kangami esika moko to mususu. Aide-les à trouver, Père, la porte de sortie. Salisa bango tata pointe ba ba kozwe zibeli ya kobima. Nous prions pour la jeunesse, nous prions pour l'école du dimanche. Tozali ko bondela pona bilenge, tozali ko bondela pona etelo ya yinga. Nous prions pour ton œuvre entière. Tozali ko bondela pona mosala na omobimba. Enfin que ça aille de l'avant, que ça nous prépare pour le jour du Seigneur. Pointe ba ko kendo boso, pointe ba ko bongisa biso pona mokolo ya nkolo. Viens, Père, le revenu. Tata, yaka pointe ngonge koki. Et guide-nous à cet instant. Pe kamba biso neleko oyo. Nous cherchons l'union parfaite avec notre apôtre de district. Tozali koluka bomoko akokoka na ntoma na biso ya district. Il prie pour nous. Azali kobondela pona biso. En union avec notre apôtre patriarche. Na bomoko na ntoma na biso mokonzi. Et dans l'espérance d'être dans l'ensemble des apôtres. Mais liki akozala na lisanga ya bantoma. Que leur prière nous couvre aussi, Père. Tika ete mabondeli na bango pe bakozinga biso tata. Et donc plaçons notre foi dans la piété des enfants, les frères et sœurs. Tozali kotia libonde mobondimi na biso pe kati ya bana na yo mibali pe basi. Tes serviteurs, Père, prient pour nous et pour cette œuvre. Basali na yo tata bazali kobondela mpona biso pe mpona mosala oyo. Plus que ce que nous pouvons exprimer en parole. Koleka oto kokosenga na maloba. Père, nous te prions, nous te gestes, ton fils bien-aimé. Tata tozali kobondela kombo ya Yesu mwana na ya bolingo.
Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati nankolo, de partout où vous pouvez être, Bisikanyo soa piboko kozala, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de Dieu. Tozali kotombe labino boye bola munanda ko ya Nzambe. La parole du jour est en Exode chapitre 15. Maloba lelo ezali na mokanda ya kobima mokapo ya 15 verset 20. Molongo akotanga tukumi bale. Nous lisons. Marie la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec de tambourins et en dansant. Totangibo. Bongo prophète Miriam, ndeko ya Aaron ya mwasi, akamati mbunda pe akomi kobeta. Bongo basi nyonso ya Israël balandie na sima, bakomi kobina pe kobeta mbunda. Jusque là, prenez place et on va donner du temps à notre frère de lire le texte du jour dans Exode 15, premier verset jusqu'au 9. Kino awa bozo abisika, peto kope sanzela nande konabiso aeba kotange la biso liloba ya mokolo, na mokanda ya kobima mokapo ya 15 molongo akotanga yambo kino na libwa. Mokolo wana, Moïse na ba Israelite nyoso ba yembela ki Yahweh Nzembo oyo. Na lingina yembela Yahweh, alongi likambo moko ya monene. Abwaka ki bampunda na ebale monene, na bato oyo ba mataka yango. Yahweh azali makasi na ngai pe lokumu na ngai. Ye moto abikisi ngai. Azali Nzambe na ngai, tokumisa ye. Azali Nzambe ya bakoko na ngai, toyembela ye. Yahweh azali elombe ya bitumba. Kombo na ye penza, Yahweh. Bashareti ya bitumba, na basoda ya mokonzi monene ya Egypte, abwaki bango nyonso na ebale. Basoda ya makasi ya Egypte badindaki na ebale ya motane. Atindaki ba mai ezipa bango, bakitaki ti na se lokola mabanga. Yahweh, liboko na yo ya mobali ezali na nguya. Yango moto epanzaka banguna na yo. Monene na yo ezali ya koloba te. Osilisaka ba oyo babundisaka yo. Soki kanda na yo epeli, ezikisaka bango lokola matiti pamba. Otindaki mopepe ya monoko na yo, mai eyaki kotonda na esika moko. Bambonge etelemaki lokola bamir, bamai ekendaki kokanga mati na se ya ebale monene. Banguna na biso balobaki, tolanda bango, tokanga bango, tobotola biloko na bango. Toko kamata nyonso oyo tolingi. Tobi misabambeli na biso. Toko zwa bomengo na bango. La chorale peut nous interpréter un morceau. Bayembi bakoko pesa biso eteni moko.
dans le Seigneur Balinga mikati na nkolo a écouté la parole Naboyoki liloba. Cela nous fait penser la manière dont le peuple d'Israël est sorti en Égypte. Ezali kopesa biso makanisi lolenge nini bato ekolo ya Israël babimaki na mboka Égypte. C'était d'une manière inentendue. Ezalaki na lolenge moko penza bakoka kozela te. Pharaon avec une armée qui était la plus forte à l'époque. Falo na mapinga o ezalaki ya makasi na eleko wana. Devant eux il y avait la mer. Oboso na bango ezalaki na ebale. Sans pirogue, sans bateau. Boato ezalaki te masuwa pe ezalaki te. Comment se sauver? Lolenge nini esengelaki kobika. Derrière là il y avait ceux qui les poursuivaient. Na sima ezalaki na baye bazalaki kolanda bango. Et ils n'avaient ni arme. Pe bango bazalaki ata na ebundeli moko te. Donc ils étaient certains d'être tués comme des mouches. Bango bandimaki penza ete bakokufa lokola banzinzi. Mais Dieu en a prouvé le contraire. Kasi nzamba alakisaki lolenge mosusu. Il les a fait traverser à pied sec. Ya ebaki kokatisa bango makolo ya kokauka. Et voilà maintenant quand ils ont traversé, sikoyo wapi tango bakatisi, leurs poursuivants ont profité d'occasion pour entrer aussi dans la même voie. Baye bazalaki kolanda bango balingi pe kozwa libaku ya nzela wana po baye bakokota. Mais cela n'était pas le cas heureux pour eux. Kasi esalamaki lolenge moko te po na bango. Lorsque maintenant Moïse a remis le bois sur la mer, sikoyo tango wapi Moïse azongisi nzete likolo ebale, et voilà l'eau s'est ramenée à soi-même. Sikoyo mayi ezongaki yango moko, et ça engloutit tout le monde qui était entré après eux. Pe yango emelaki ba nyonso bazalaki sima na bango. Mais qu'est-ce qui a suscité la joie de ces peuples? Qu'est-ce qui a suscité aussi la reconnaissance? Ce n'est pas parce que les gens étaient morts dans l'eau. La mort d'un homme, ce n'est pas une chose qui peut donner la joie. Mais leur reconnaissance était à la puissance de Dieu. Kasi botondi na bango ezalaki na nguya ya Nzambe. Et aussi leur joie était de la manière dont ils sont sortis de l'esclavagisme. Pe sengo na bango ezalaki lolenge wapi babimaki na bowumbu. Inentendu, ils étaient libérés. Bazalaki kutata kozela yango te kasi bazwaki bonsomi. Et pour manifester cette reconnaissance et aussi la joie, pe pona kolakisa botondi wana pe sengo, Marie qui était la prophétesse, Mariam wapinda zalaki mosakoli ya mwasi, la sœur d'Aaron et aussi de Moïse, ndeko ya mwasi pe ya Aaron pe ya Mose, et elle a pris avec elle le tambourin, ya zwaki mbonda, et elle a entraîné toutes les femmes d'Israël, pe na sima na ye azwaki basi nyonso ya Israël, étant guidé par l'esprit de Dieu. Ce n'est que normal que tout le monde s'est adapté à jouer et aussi à danser. Ezali kaka ya solo kondimete moto nyonso amikoti sina kobina pe koyemba. C'était leur manière de manifester la reconnaissance envers Dieu et aussi leur joie envers Dieu. Ezalaki lolenge na bango ya kolakisa botondi pe sengo na bango epai ya Nzambe. Mais nous savons bien que nous n'avons pas la coutume là de danse devant Dieu. Nous. Mais nous pouvons manifester aussi notre reconnaissance et aussi notre joie. De quelle manière? En priant d'une manière fervente. Vénérer notre Dieu avec des mots qui peuvent le toucher. C'est une façon aussi d'exprimer notre reconnaissance et notre joie. En obéissant sa volonté. Et aussi en entrant en aide envers notre prochain. Ça va toucher les prochains, ça va aussi toucher notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous venons de passer un grand dimanche.
C'était pas grand parce que c'était deux fois plus, mais parce que nous devions prier pour les nôtres, ils sont dans l'au-delà. Et Zalaki Monen était pour Zalaki Mbalami Balé Koleka. C'est aussi un miracle pour nous que nous pouvons remercier Dieu. Nous devons nous remercier dans des petites choses comme dans des grandes choses. Même des choses qui sont invisibles. Mais nous y croyons. Et c'est lui qui a placé cette foi en nous. Pour que nous sachions que même dans l'invisible, il opère de grandes choses. Pour cette promesse qu'il a léguée pour nous. Pour que nous soyons alors à ses côtés pour l'éternité. Mais la joie de Marie et les autres n'avait pas duré. Pourquoi? Parce que petit à petit, ça a pris autre forme. Et la volonté humaine a commencé à surplanter la volonté de Dieu. Ainsi, Marie maintenant va chercher à défier Moïse. Parce que Moïse avait une femme étrangère. Et lui maintenant devait dire, mais si il a donné confiance à Moïse qui a une femme étrangère, voilà, Moïse dirige tout un peuple. Mais Dieu lui a donné cette chance-là. Pourquoi pas moi? Donc, de ce que Dieu a fait en elle, en déposant l'Esprit de Dieu dans Marie, et ça a donné un fruit de joie aussi à tout le monde pour qu'elle dirige par l'injonction de Dieu, le peuple. Elle a pensé aussi profiter de cela pour diriger le peuple de Dieu autrement. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu n'était pas content. Elle était mise en isolement. Parce qu'elle avait péché devant Dieu. Jusqu'à ce qu'elle se répentit. Elle est revenu dans la communauté. Mais bien aimé dans le Seigneur, même à cet instant que nous vivons, nous, de tels orgueils peuvent alors aussi nous envahir. Parce que peut-être qu'on est serviteur de Dieu, dirigeant dans la communauté à son rang, on peut se dire, Dieu. Ce que je pense, moi, c'est Dieu qui me dit. En allant des côtés, nous devions bien vérifier l'esprit qui nous guide. Dieu ne se contredit pas. Il n'est pas là pour diviser les gens. Nous avons entendu ici, sur cet hôtel de grâce, que l'esprit de division, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'insatisfaction, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Nous devions être un pour y parvenir. Voilà maintenant, Marie n'était pas satisfaite de la présence de Moïse. Voir la femme de Moïse, peut-être pour elle c'était l'abomination. Mais Dieu ne l'a pas exclu, n'a pas exclu cette étrangère-là. Alors nous devions savoir. Ruth n'était pas exclue. Une étrangère. De Ruth est naquit David.
Kasi onzela ya Ruth nde David ya botamaki. Et de David na qui notre Seigneur Jésus-Christ. Pe onzela ya David nde nkolo na biso Jésus Christ wa botamaki. Dieu a besoin de tout le monde qui l'accepte, qui le croit. Nzamba zali na posete moto nyoso andima ye. Donc nous devions accepter tout le monde de la même manière. Et Seigneur la biso kondima moto nyoso na lolenge moko. Si nous avons l'esprit d'insatisfaction en nous, soki tozali na molimo ya kosepelaka na makambo te kati na biso, ou des divisions, toi ya kokabola, pour dire non, celui-là n'est pas de notre tribu, il est étranger parmi nous. Bona kolobete wana zali ekolo na biso te wana zali mopaya kati na biso. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Wana zali molimo ya Nzambe te. C'est pour ça qu'on nous a appris que la foi qui grandit dans les épines n'a pas du tout une bonne vie. Ya wana ba ikusa ki biso ete bondimi wapi zali kokota kati ya basende. Nous devions avoir une bonne teneur dans notre cœur. Mais quand il y a des épines, des divisions, épines d'insatisfaction, épines de mettre l'un ou l'autre en extrême. Kasi tangu basende ya bokabwani, basende ya bozangi kosepela na makambu, basende ya kozwa moto moko to mosusu kotia mosika. Notre foi ne peut pas bien grandir. Alors, faisons force si nous avons de tels esprits pour nous repentir. Nous nous sentirons que nous avons de la place dans la communauté. Et nous sommes prêts à aider la communauté. Et ce dont on nous a donné nous dirige pour que nous soyons alors préparés pour les jours du Seigneur. Dans cette façon-là, notre joie va durer. Moi, je pense que la joie, c'est comme la main de l'homme. Parce que s'il y a la joie dans notre foi, nous aurons la joie d'aller à l'église. Nous aurons la joie d'accueillir notre frère et soeur. Nous aurons la joie d'espérer le jour du Seigneur. Et nous aurons la joie même de diffuser ou même de prêcher la parole du Seigneur. Parce que nous avons la joie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tenons aujourd'hui que nous allons remercier notre Dieu par une prière fervente, par l'obéissance de sa volonté, et en entrant en aide pour notre prochain, ceci touchera notre prochain et aussi notre Dieu. En marchant de la sorte, nous serons alors la joie de tous. De la communauté et de notre Dieu. Et au jour du Seigneur, lui-même fera tout pour nous prendre à ses côtés. Amen. Amen. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Nous avons l'évêque Chimanga et aussi l'apôtre Frédéric. Après la chanson, je vais les rappeler simultanément. Ils viennent chacun quelques minutes pour que l'Esprit nous dise ce que ça dépose dans leur cœur. Commencez par l'évêque Chimanga. Dans mon cœur, et les gens.
Bien-aimé, peuple de Dieu, Balingami ekolo ya Nzambe, nous avons une obligation, nous tous, de reconnaître notre Père Céleste. Bisomba sotozali na mokumba ya kondima tata na biso. Et d'avoir aussi beaucoup de joie dans nos cœurs pour tous les bienfaits. Pekozala na esengo mingi na kati ya mitema na biso pona bolamu nyonso. Le sujet d'aujourd'hui que notre apôtre a utilisé, il nous demande tous d'avoir beaucoup de reconnaissance et beaucoup de joie par rapport à ce que notre Père Céleste accomplit pour nous. Nous avons aussi l'occasion ce soir de remercier, d'être très reconnaissant devant notre Père Céleste et avoir beaucoup de joie par rapport à la parole qui nous a été donnée par notre apôtre. Notre apôtre nous a beaucoup expliqué. Il nous a montré la victoire des enfants d'Israël. La défaite de l'armée égyptienne. Nous aussi, en ces temps précis, comme nous ne sommes pas habitués, nous n'avons pas la coutume de danser comme Marie avait dansé avec les autres femmes, notre apôtre nous a montré une autre façon d'être reconnaissant, d'avoir beaucoup de joie devant notre Père Céleste. C'est savoir prier et adorer Dieu. Être obéissant de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, et surtout d'appliquer les 10 commandements. Et savoir aussi assister notre prochain. C'est aussi une façon d'être reconnaissant devant notre Père Céleste. Notre apôtre a parlé aussi, il nous a montré la différence entre la conception humaine et la volonté de Dieu. Puisque Marie, par rapport à ses regrets, croyait peut-être que c'était la volonté de Dieu. Et après tout, elle a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était une idée ou conception humaine. C'est pourquoi elle a été écartée des autres. Mais la très bonne chose que Marie a faite, elle a beaucoup regretté de ce mauvais comportement. Elle a cherché à se repentir. Toi et moi, c'est la même chose. Nous devons appliquer ce qu'on appelle l'autocontrôle. On va voir que nous avons commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes et beaucoup de péchés. Au lieu de juger les autres, il faut se juger soi-même. Quand Dieu a accepté le pardon, la repentance de Marie, Marie a retourné dans l'assemblée des enfants d'Israël. Nous aussi, ça sera la même chose. Peut-être nous avons pris un peu de distance par rapport à nos conceptions. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, avant toute chose, je dépose ma reconnaissance derrière cet autel de grâce. Nous venons d'apprendre comment est-ce que le peuple d'Israël avait manifesté la reconnaissance et la joie
devant Dieu après que l'armée de Pharaon ait été liquidée. Touti ko ye kola lolenge nini bana Israël balaksa ki botondi pe sengo na bango pa nzambe wapi na sima mapinga Égypte uta ki kokufa. Mais à travers la parole, notre apôtre nous a montré plusieurs pratiques pour être reconnaissant devant Dieu. Kasi ondela liloba ntoma na biso la kisi biso makambo ya kosala ebele pona kozala na botondi oboso ya nzambe. Si Marie et les autres femmes avaient utilisé la pratique de la danse, Soki Mariam pe basi mosusu bango basalela ki mabina, l'esprit nous exhorte de le faire peut-être par la prière, par l'obéissance de la parole et par l'assistance à notre prochain. Molimo ezali kolendi sabiso ya kosala ngonzela ya libondeli, onzela ya botosi liloba pe kosalisa bazalani na biso. Effectivement, dans la prière, il y a aussi l'adoration et le remerciement. Ya solo na kati ya libondeli ezali pe na kokumisa pe na botondi. Nous le faisons avec joie, même si nous sommes dans des circonstances difficiles. Tozali kosala yango na esengo ata ko tozali kokutana na makambo apasi. Et Dieu nous aide aussi en cela. Pe nzambe azali kosalisa biso na yango. L'obéissance est vraiment priorité à toutes sortes de pratiques que nous pouvons exercer. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, on parle de la bénédiction et de la malédiction. La bénédiction liée à l'obéissance et la malédiction liée à la désobéissance. Bon, je m'excuse pour ceux qui ne pratiquent pas, disons ceux qui pratiquent la danse, mais nulle part, je n'ai jamais entendu parler de la bénédiction liée à la danse. Nazali kosenga mo bolimbi sipona ba ebabinaka, kasi esika moko tena mona lipamboli ezali ko uta onzela ya mabina. Peut-être il y a un exemple dans le Nouveau Testament en ce qui concerne Hérodias, disons Hérodias dont sa fille avait dansé devant Hérode. Tango mosusu na bokani ya sika ezali na mwanda kisa ya Hérodias wapi mwana na ya mwasi abinaki oboso ya mokonzi Hérode. La fille avait fait la joie d'Hérode et de tous les convives et Hérode avait demandé à la fille de demander ce qu'elle désire. Mwasi asepelisaki Hérode pe ba paya na ye nyonso pe mokonzi Hérode asengaki ye asenga ye nyonso oyo alingaki. Mais finalement cela a entraîné la mort de Jean-Baptiste. Kasi na suka na yango ememaki Yohani Mobatisi na liwa. Je ne sais pas si on peut l'appeler, je ne sais pas, bénédiction de malheur ou bien malédiction tout court. Nayebi te soki bakoki kobenga yango lipamboli ya libabe to na mokuse libabe. Mais quand nous voyons dans le livre, dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10. Kasi tango tozali komutanga na mokanda ya Jacques, mokapo ami balepe molongo akotanga zomi. L'apôtre Jacques dit que si vous observez toute la loi, Thomas Jacques alobi ete soki bozali kotosa mibeko nyonso, mais vous péchez contre un seul commandement, kasi osumuki kaka pona mobeko moko, vous êtes coupable de toute la loi. Yo esengeli bakatelo e tumbu pona mibeko nyonso. C'est-à-dire que nous devons faire très attention. Elingi kolobe te esengela biso kosala angele. D'une part, nous prions, nous manifestons notre obéissance, nous assistons les nécessiteux. Neteni moko tozali kolakisa botosi na biso, tozali kosalisa ba bazali na posa. Mais d'autre part, nous devons faire très attention par rapport à notre comportement. Kasi netene mosusu esengela biso kosala ingele na o etali etamboli na biso. C'est ce qui a fait que Marie aussi avait été victime de cela. Yango nde salaki ete ekomela pe Maria. Elle a essayé de défier Moïse, mais Dieu n'était pas content. Yamekaki kotelemela Mose kasi nzamba asepelaki na ngote. Finalement, il a frappé de lèpre. Nde na sima maladi ya maba ezwaki ye. Mais comme notre apôtre vient de le souligner ici, kasi lolenge ntoma na biso uti kolakisa awa, Marie s'est repentie et Dieu l'a réintégrée encore dans le cercle du peuple de Dieu. Mariam abongolaki motema pe nzambe azongisaki ye na lisanga ya ekolo ya Nzambe. Faisons de même nous aussi. Biso pe tosala lolenge wana. Et nous serons bénis. Pe tokoyeba kopambolama. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo,
Il peut y arriver que dans notre cercle qu'il y ait quelqu'un qui ne nous plaît pas. Parce que sa manière d'agir n'est pas du tout plaisant. Soyons tolérants. Rappelons-nous de la prière de notre Père. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sinon, il n'y aura pas lieu de dire ces mots-là. Ainsi, nous allons nous préparer pour avoir le pardon de péché. Et la chorale peut alors interpréter quelque chose de repentance. Vous invitez tous là où vous trouvez de nous joindre à la prière que le Seigneur nous a appris. Le Notre Père. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Que la paix du Christ le ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père, nous te disons grand merci encore une fois. Tata, lisusu tozali kopesa yo melesi monene. Voilà, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes de nous pardonner nos péchés. Tala, onkombo ankolo na biso Jésus-Christ tozali kondima kolimbisa masumu na biso. Père, que ce que tu fais pour nous soit réalisé, soit visible. Tata, tikete ozali ko sala po na biso e ba kokokisa mape ba komonana. Accepte qu'au jour du Seigneur que nous ne manquons pas, Père, par grâce. Car tu es notre Dieu. Et disons grand merci pour le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela a rendu possible pour que nous soyons les enfants de Dieu. Et que la promesse du salut soit au-dessus de nous, Père. En union parfaite avec notre apôtre de district, Père, nous te prions par grâce, accepte-nous. Tata, tozali kobonde londi mabiso po na ngolu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Na kombo ya nkolo na biso Jésus Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons pouvoir clôturer le service divin. En priant. Père, nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous.
Tata, tozali kopesa melesi pona oyo sali pona biso. Pour la nourriture que tu as préparée pour nous. Pona bilei oyo bongisi pona biso. Et nous te disons merci pour tes serviteurs qui prient pour nous aussi. Tozali kopesa melesi pona basali na bazali pe kobondela pona biso. Notamment notre apôtre patriarche, notre apôtre de district. Mingi mingi ntoma na biso mokonzi pe ntoma na biso a district. Tous les apôtres. Bantoma nyoso. Tous tes serviteurs et tes enfants. Basali na yo pe bana na yo. Garde-nous dans ces cercles, Père. Zinga biso, batela biso na lisanga oyo tata. Fortifie ta communauté. Lendisa et tonga na yo. Et que, Père, le pouce soit bien préparé pour le jour du Seigneur. Pe tata, kete mwase ba kobongisa mama lamu pona mokolo ya nkolo. Nous ne pouvons pas oublier ce que nous traversons ici dans notre dans ce monde et dans notre pays particulièrement. Toko pete kobosa na oto zali kobika na mokili oyo pe mingi mingi na kati ya mboka na biso. Nous prions Père pour les soignants. Tozali kobondela pona minganga. Donne leur force et courage, surtout dévouement. Pesa bango bokasi mingi mingi molimo akoyeba komikaba. Car ils luttent pour notre santé charnelle. Po ete bazali kobunda mpona bokolongono na biso ya nzoto ya mayi na makila. Mais aussi pour les autorités. Tozali pe kobondela mpona bakonzi. Pour qu'elles prennent de bonnes décisions. Po ete bayeba kozwa mikano ya malamu. Dictées par le Saint-Esprit. Wapi nde uti onzela ya molimo mosantu. Des décisions qui peuvent être utiles pour la population. Mikano ekokozala ya ntina mpona ekolo. Nous aspirons, Père, à une paix aussi durable. Ainsi, nous prions même pour des zones là qui sont en trouble et en guerre tout le temps. Là, tes enfants y sont. Kuna pe bana na yo bazali. Ton église. Ecclesia na yo. Père, ton peuple. Salisa et kolo na yo. Regarde et puis aussi donne une bonne solution qui est la paix là-bas. Nous prions pour les offrandes que nous amenons dans ta maison. De différentes formes. Nalolenge. Bénissa 10 fois, 1000 fois, Père. Pambola ngomba la zomi mbalankoto tata. Et ça serve, Père, à ton œuvre. Tikaete tata bako salisa pona mosala na yo. Nous prions pour les malades. Nous allons combler la peau bakoni. Pour ceux qui sont endeuillés. Pour na babazali na matanga. Pour ceux qui n'ont pas perdu su dans leurs projets. Tata, nous allons combler la peau na bai oyo bazali kozwa makambo akito kote pour na baposa na bango. Donne-leur un dénouement, Père, ils peuvent alors se réjouir aussi. Tata, salisa bango bakoni pe kosepela. Au jour du Seigneur, Père, nous voulons tous y être. Tata, nous allons na posete mokolo ya nkolo biso banso toye bakozala. Maintenant, Père, en union avec ceux qui sont dans l'au-delà aussi. Tata, si na bomoko na ba epe bazali na mboka ya ngambo. Accepte-nous par grâce. Ndima biso nzela ya ngulu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na kombo ya nkolo na biso Jésus Christ. Amen. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit restent avec vous tous. Bonzenga nkolo na biso Jésus Christ. Bolingwa Nzambe pe bokangam na molimo mosantu ezala na bino banso. Amen. Vous prions de vous asseoir. Et que la chorale interprète pour nous le cantique de la sortie.